Et je peux dire que le Monseigneur Javier, c'est un homme. Avec les conditions de route que j'ai vues, donc sa mission ne peut pas avoir été facile. Je peux dire que le Monseigneur Javier, c'est un de ceux avec qui, depuis le petit séminaire, je l'ai connu. Et avec les conditions de route que j'ai vues, donc sa mission ne peut pas avoir été facile. Avec les routes telles que, elles sont en bon état, parce que nous avons pu voyager. Et la dimension du diocèse est déjà importante, mais il nous le racontait. Donc je crois que il a utilisé, je n'ai pas encore vu sa voiture, quel genre de voiture il a. Je crois qu'il a utilisé plus la moto que la voiture. C'est déjà, c'est pas rien. Et les quelques missions paroisses que j'ai vues, qui étaient des missions, sont éloignées l'une de l'autre. Si une certaine estimation, je crois que le minimum c'est peut-être même 100 km entre les grandes. C'est un homme. Et le temps que j'ai vu de ces religieuses qui sont venues de Mongoré, comme je ne sais pas, là, les routes sont praticables, je ne sais pas comment elles sont arrivées. Et je sais que Monseigneur a fait tout cela, parfois à moto, avec tous les risques, et avec beaucoup de détermination. Sachant aussi que c'est ici qu'est née la Bienheureuse Anne Marie, nous avons voulu profiter aussi de cette occasion pour faire un pèlerinage, donc c'est comme ça que nous l'avons appelé. On ne vient pas ici à touriste. Nous avons tenu à ce que tous ceux qui viennent ici viennent avec cet esprit. Donc, marcher sur le pas de la Bienheureuse Anne Marie et cesser de répéter derrière nos pèlerins, c'est d'attirer l'attention un peu sur ça. On dit, pour arriver nous disons que notre vocation commune, c'est la sainteté. Ça, c'est oui, c'est un chemin qu'on construit, qu'on trace dans le quotidien, donc en faisant des choses simples, parfois insignifiantes, mais qui, à la fin, revêtent un caractère de. Éminent, je dirais de sainteté. Quand vous voyez ce livre, vous voyez ça, vous voyez la lampe qu'elle utilisait, vous voyez lui, elle a touché ici et là, donc tout devient, la sainteté consacre tout en quelque sorte. Et c'est ça qui est impressionnant. Et comment, c'est ici que j'ai compris finalement avec un très bon guide qui nous a expliqué que c'est vrai, c'est Isiro, ce qu'elle a connu, le martyr, mais vraiment le lieu, le berceau, c'est ici. Le nom là, j'ai oublié de là où elle est née, parce qu'elle n'a pas fait longtemps là-bas, comme sa maman, après l'avoir mis au monde. Qu'elle avait des saignements. On l'a amené à Matari, non loin d'ici, un autre site. Et c'est là qu'elle a grandi et qu'elle a commencé à aussi à peut-être à sentir en elle un appel à une vie de consacrée.
Bafaba qu'on dira en fait qu'elle est arrivée là-bas, s'était échappée de ne pas informer sa mère. Elle s'est embarquée sur un camion. Elle est arrivée à Bafabaka parce qu'elle avait appris qu'il y avait des religieuses là-bas. C'est là qu'elle a fait ce postulat. Elle a fait sa première profession. Et c'est avant la profession perpétuelle que elles nous ont été prises et qu'on les a amenées d'abord vers ici. Qu'on les a ramenées vers Wamba. Mais en cours de route, on s'est arrêté là aussi. Ils sont rentrés à Isiro. Et là, arrivé à la maison bleue, elle n'aura même pas eu le temps de loger là-bas. De loger là-bas. Parce qu'elle a été assassinée peut-être pendant qu'on attendait qu'on emménage. C'est là qu'elle a été assassinée dans la cour. Pratiquement, je dirais, c'est tout un cheminement. Parlait même pas à ce moment-là. On l'a mise dans une chambre qu'on a vue. Avant d'expirer, elle a prononcé presque les mêmes paroles que Jésus, de pardonner à ses bourreaux. Elle pardonnait tout ce qu'on lui a fait subir, et elle a rendu l'âme. C'est tout à fait exactement ce qu'on a. Et ça fait comprendre que le martyr, c'est vraiment une grâce, c'est un don. Ce n'est pas n'importe qui. Mais maintenant qu'on peut rétrospectivement regarder toute sa vie et comprendre comment Dieu, avec le concours de la personne concernée, fait de sa vie pratiquement un chemin de sainteté. Qui ne se fait pas, je dis, en cherchant des choses extraordinaires, parce qu'il paraît qu'on lui a prêté même la source à laquelle elle a. Une source, la première que j'étais curieux de voir, parce que généralement, nous qui venons de montagne, on a une source. Quand il y a une montagne, on a au moins une source qui jaillit. Généralement, si c'est sur le forage. Mais là-bas, à Matari, là-bas, il y a une source vraiment qui jaillit comme une roche, une marine roche tout autour. Et l'histoire qu'on nous a racontée là aussi, c'est quand même impressionné. On dit qu'elle est en train de piler les ondées, et on mélange avec du piment. Et alors, il y a un petit morceau qui est entré dans l'œil. Et ça faisait très mal. Elle savait où il y avait une source. Elle a couru là-bas. Elle a pris de cette eau-là. Elle a lavé son œil. Elle a vu que l'œil, le piment. Et ça cessait de lui faire du mal. Et à partir de ce moment-là, et à tout attendu, elle a commencé à entretenir ses lieux. C'est devenu un lieu, maintenant on a aménagé, vous pourrez certainement, vous y avez déjà été, voir cet endroit qui est une source. On épuise même l'eau que nous buvons au réfectoire, j'avais bu encore ce matin. C'est de l'eau qui vient de là, elle est propre. En tout cas, vous la prenez et vous buvez. On n'a pas besoin de la cuire ou de la. C'est de l'eau propre. Ça, ce sont des signes. Donc, pour moi, je dis ça, ce sont déjà de la. Il y en a encore tant d'autres. On voit que ce n'est. Quand tout cela, il y avait. Je dirais la grâce qui se manifestait, que Dieu est pas.
qu'elle n'était pas seule. Voilà, alors ce qu'elle va dire après, sa devise, c'est servir et faire plaisir. Aussi, la profession, le curé qui est ma femme a dit en 10 ans, maintenant c'est par courant. Parce qu'on nous a demandé de chercher, de recueillir les éléments qui ont conduit aussi à la béatification. Qu'elle a trouvé, qu'elle avait pris comme tiré d'une retraite prêchée par le premier évêque, Mgr Vitebols, qui sera tué par les rebelles. Et il avait ceci, donc Jésus seul. Yesu tout. Et ça, c'est ça aussi qu'elle a, donc à partir de sa profession, qui l'a guidée. Et donc, ce sont des très beaux témoignages. Lui, elle avait aussi gardé l'arbre de soi à la Vierge Marie, elle l'avait dans sa poche, et qu'on le trouvera, même quand on va à la première exhumation. Elle avait une image de la Vierge Marie dans la soutane. Et ça, pour moi, ce sont des signes qui indiquent. Et pas simplement cela, quand vous apprenez que 8 mois après, non, déjà les sœurs ont pris soin, ça c'est impressionnant aussi. Et quand elle a expiré, on m'a dit que ses consœurs, elles n'ont pas pleuré, elles ont chanté le Magnificat. Parce qu'elles la connaissaient de bout à bout. Ils ont vu comment cela est survenu, parce qu'elle a résisté à toutes ces sollicitations. Donc, elles ont chanté le Magnificat. Et elles ont pris soin aussi de là où l'a amené. C'est elle qui lui donnait le témoignage en retrouvant tous ces deux petits signes. Elle a dit non, c'est bien elle. Même si parmi le fossoyeur, on a pu retrouver un celui qui est identifié, on ne l'a pas enterré dans une fosse commune. On a enterré seul. C'est là qu'on a fait la première exhumation. Les populations de mon diocèse, et d'ailleurs le Nord Kivu, je crois qu'ils ont eux-mêmes créer des mécanismes de ce que nous pourrions appeler résilience, une capacité qui leur permet de passer à travers tous ces moments de turbulence, de tribulation, et surtout dans la célébration. Si quelqu'un tombe dans une célébration eucharistique, à Oicha, j'ai été 2 fois, quelqu'un ne va pas imaginer que non loin, sur le toit de la cité, qu'on est en train d'égorger des gens chaque pratiquement chaque semaine. Voir comment ils prient, voir comment ils dansent, comment ils chantent, comment c'est pas pour faire endormir les gens, mais c'est vraiment ils vont à la source. Utiliser des énergies qui me permettent d'affronter ce défi de l'insécurité. Nous n'avons pas connu que ça. Nous avons eu l'Ebola, le Covid est arrivé, comme si la sécurité ne suffisait pas. On a eu encore aussi, surtout l'Ebola, qui a apporté quand même pas mal de vie. Le Covid est un peu moins, mais quand même, on a eu des victimes. Et là aussi, on dit, Dieu nous protège.
Moi, je dis aux fidèles, je dis tout ça, je crois que c'est pas. Il faut prendre ça comme les vocations que nous avons, toutes les congrégations. Je suis devenu évêque. Il y avait, en tout cas, pas plus de 10 familles religieuses. Aujourd'hui, il y en a 20, 21. Donc, plus que le double, de paroisses. Je devenais évêque, on avait plus ou moins 34 paroisses. Aujourd'hui, nous en avons 68. Donc, ça montre à quel niveau donc, dans ce contexte de sécurité. Donc, pour moi, c'est ça qui me fait dire que l'église qui m'a été confiée, elle est vivante et elle a cette capacité de. Ouais, quoi que c'est. Quand nous revoyons à des nouvelles histoires, quoi que l'église, même l'évangile nous dit, quand on croit, il ne faut pas dire qu'on va aller sur le tout. Non. On va passer par des difficultés de ce genre. Ce n'est pas la même chose. Elle diffère d'un endroit à un autre, mais elle a cette capacité de les assumer et de dire non, on ne va pas baisser le bras. Ce qui arrive, ça va terminer. Tenons entre les mains de Dieu, ayons confiance. Maintenant, allumer la petite flamme d'espérance. Elle me trompe. Voilà, c'est ça.